quand je suis arrivé en CE2, j'ai commencé à raconter des histoires. La plupart sont venus vers moi pour se moquer, en disant « mais il est fou celui-là, c'est le gogol de service, c'est le timbré qui raconte des histoires, qui s'invente une vie, enfin, qui est dans tout le temps, qui est tout le temps seul, qui est tout le temps dans le truc. » Et c'est vrai que voilà, quand j'ai été en... De... mais de primaire, collège, lycée, c'est des... Je veux oublier ça. Je veux oublier cette période. Parce que ça a été un enfer. Heureusement que voilà que j'ai fait des groupes avec plusieurs autistes Asperger. J'ai appris la technique de pouvoir regarder dans les yeux sans regarder dans les yeux. C'est-à-dire que quand je regarde maintenant quelqu'un dans les yeux, tout le monde pense que je le regarde dans les yeux, mais en fait je le regarde ici, sur le troisième œil. Et étrangement, tout le monde pense que je le regarde dans les yeux. Mais j'y arrive pas. Il y a des années, c'était les yeux par terre, dans les chaussures. J'arrivais pas à affronter le regard. Ben, je parlais comme ça. Je cherchais les mots. En fait, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon univers, j'étais dans mes contes, j'étais dans mes livres, voilà, quand tous les jeunes allaient faire du foot, moi je restais dans mon coin, sous mon arbre, à lire des bouquins, quoi.